Ok, bonjour. Donc, capsule 433, on va parler un petit peu de l'autorabilité. Donc, on avait déjà, donc là, il y a eu la 431 qui était sur les lois normales, en particulier les vecteurs gaussiens, puisque c'est quelque chose d'assez classique, mais qui est souvent pas forcément abordé. 432, où je parlais de loi d'échelle, donc et d'invariance par changement d'échelle, donc avec cette image des choux romanesco et des fractales. Et là, je vais parler d'une autre famille de lois, pour rester général, où je vais parler de. Alors, je vais arriver sur les processus. Il y aura une capsule 434 sur les processus de les chaînes de Markov, qui sont assez populaires en linguistique. Mais là, je vais parler d'un autre type de processus, qui était une histoire d'absence de mémoire, et qu'on pourrait retrouver un petit peu partout et qui est assez classique en modélisation. Voilà. Donc, je vais juste basculer sur ma tablette pour récupérer. Ok. Donc a priori, on est bon. Voilà. Donc je vais vous parler un petit peu de plusieurs types de lois. Donc on va avoir la loi exponentielle. La loi géométrique est une loi très très, très classique pour des attentes de phénomènes. D'accord? Donc c'est combien de par exemple si je dois quelque chose doit arriver avec une chance sur 10, c'est combien de lancers ce qu'il va falloir pour que l'événement survienne. Donc c'est assez classique dans les tirages de cartes, par exemple, quand vous achetez des cartes et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, combien de cartes est-ce qu'il faut acheter pour récupérer toute la collection de cartes, ce genre de choses. Okay. On va les retrouver aussi dans les applications sur les tremblements de terre. Et il y a un autre type de processus qui apparaît, de grandeur, de loi qui apparaît, c'est la loi de Poisson. Donc je parlerai de ces trois-là ici. Donc la loi de Poisson, je vous ai mis une petite illustration d'armée napoléonienne. Donc c'est. Une loi qui est née donc de Poisson avec un grand P, hein, c'est Siméon Poisson, le mathématicien, qui avait proposé une loi en travaillant sur des problèmes de justice en fait. Mais la vraie application, elle est née de ce problème de cavalier et de chute de chevaux. Donc c'était les premiers modèles dans lesquels on s'est aperçu que cette loi de Poisson a marché pour décrire très très bien des accidents et des événements qui surviennent de manière peu fréquente. Ok, mais avant. La distribution géométrique. Donc la distribution géométrique, c'est quoi? C'est une loi qui apparaît quand, c'est ce que je disais tantôt, on a la probabilité que quelque chose survienne, quand une expérience se réalise, et que la probabilité c'est P. Okay? Donc disons une chance sur 10. Un événement se réalise avec une chance sur 10. Et la question, c'est combien de fois est-ce que je vais devoir voir les répétitions d'événements pour tout d'un coup que l'événement qui m'intéresse se réalise. Exemple classique. Un ouragan survient avec une chance sur 10, donc une probabilité annuelle. Donc tous les ans, on a une chance sur 10 d'être touché par un ouragan. Quelle est la loi du temps d'attente avant l'arrivée du premier ouragan? Okay? Donc c'est ce que je raconte ici. Donc au début, quelle est la probabilité pour qu'il n'y ait pas d'ouragan? Parce que voilà, supposons que je prenne mon cas qui soit ici. Donc K ici vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? K égale 10. Quelle est la probabilité pour qu'il faille attendre 10 ans pour que mon événement se réalise? Donc là, c'est très très simple. Pour attendre 10 ans pour la réalisation de la première fois, et c'est ça qui m'intéresse, c'est quand est-ce qu'il survient pour la première fois, bah, il faut que pendant 9 années, il ne soit pas produit. Et ça arrive avec une probabilité 1 moins p à chaque fois. Donc 1 moins p puissance 9. Donc là, on utilise le fait que quand j'ai des événements indépendants, la probabilité qu'un événement ne survienne pas la première année et qu'il ne survienne pas la deuxième année, c'est le produit. Okay. La probabilité d'obtenir un 1 en D puis un 1 en D en lançant une deuxième fois, c'est 1 sixième fois 1 sixième. Donc ça va être exactement la même chose. J'ai 1 moins P chance puissance 9, donc exposant 9, de ne pas le voir arriver pendant 9 périodes consécutives. Et à la dernière, il va arriver. Donc il arrive avec une probabilité P. Donc finalement, on arrive à cette formule ici, qui est que pour que l'événement survienne la kème fois, ben, il faut attendre P1 moins P puissance K moins 1. Donc on a une loi qui commence en 1. Alors, si vous regardez, je crois que je mets un lien, non, j'ai pas mis le lien vers la page Wikipédia, mais si vous cherchez la loi géométrique, il y a deux manières de compter. Soit on compte le nombre d'attentes avant d'avoir K pour la première fois, donc il faut au moins faire un lancer pour que ça survienne. L'autre manière de le définir, c'est de dire combien de boules rouges j'aurais obtenues avant, donc combien de fois est-ce que je me serais trompé avant qu'il survienne, donc, combien de fois est-ce qu'il ne se serait rien passé. Donc ça nous ferait commencer en zéro. C'est possible qu'éventuellement, si jamais l'événement se produise la première fois, il n'y a pas eu d'événement rouge qui est survenu.
Okay. Donc, il y a peut-être une toute petite subtilité pour savoir si jamais je commence en 0 ou en 1. Okay. Moi, je la fais commencer en 1, c'est plus simple. Donc, c'est combien d'événements est-ce qu'il a fallu voir se réaliser pour que l'événement survienne. Et le point intéressant, c'est que le temps moyen d'attente, il est en 1 sur P. Donc, il y a une interprétation hyper simple de ce coefficient, c'est de dire que si un événement se produit avec une chance sur 10, ben, en moyenne, la première fois où il va apparaître, c'est au 10e lancé. Okay. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que j'ai tout d'un coup une interprétation d'une probabilité en termes de durée. Okay. C'est combien de temps est-ce que je vais devoir attendre si jamais P est une probabilité annuelle. Okay. Une centrale nucléaire explose avec une chance sur 100 chaque année. Ben, dans ces cas-là, il va falloir attendre 100 ans en moyenne avant qu'il y ait une explosion nucléaire. C'est ce genre de choses qu'on va avoir. Okay. Donc c'était surtout ça que je voulais vous présenter ici. C'est cette loi géométrique qui a une interprétation très simple en termes d'histoire. Comment ça se décrit. Et en plus, elle a cette propriété très très simple d'interprétation, c'est que je vais avoir un lien entre une durée, x, c'est le nombre de lancers, donc si jamais je travaille sur des choses qui surviennent une fois par an, je l'interprète comme étant une durée annuelle, okay, et une probabilité. Donc ça va nous légitimer en fait quelque chose qu'on verra quand, je ne sais plus à quel moment j'en parle dans les slides, mais c'est quand je vous parle d'un événement centenaire, c'est un événement qui survient en moyenne tous les 100 ans, c'est-à-dire que tous les ans, il a une chance sur 100 de se produire. Okay. Donc, c'est exactement ce qui arrive avec cette probabilité géométrique. Point important, on parle de tant d'autres, hein, mais point important, il y a une propriété qui était cachée quand je vous ai dit, enfin, qui n'était pas cachée parce que je l'ai dit très clairement. Une probabilité importante, c'est que tous mes lancers sont indépendants. Donc, ce qui se passe à la date 1 est indépendant de ce qui se passe à la date 2, indépendant de ce qui se passe à la date 3, indépendant de ce qui se passe à la date 4. Okay. Donc, toutes mes, chaque année, j'ai la même probabilité qui survient, la même probabilité P et une indépendance. Donc ça posera des petits soucis en termes de modélisation. Parce que si vous pensez que, par exemple, je m'intéresse à des survenance d'une canicule, okay, probabilité pour qu'on ait une canicule, ou plutôt période de retour d'une énorme canicule, le problème, c'est que la température, elle n'est pas stationnaire. Okay, on a une tendance à la hausse, donc on a un problème de réchauffement climatique qui fait que ma probabilité d'avoir une canicule, elle n'est pas indépendante. En tout cas, je n'ai pas les mêmes probabilités tous les ans. Donc, le fait de ne pas avoir donc ce qu'on appelle indépendant identiquement distribué, un échantillon IID, et qui est l'hypothèse de base qu'on fait dans les statistiques, même si je n'en ai pas parlé beaucoup pour l'instant, on va supposer que toutes mes observations, elles ont la même probabilité de survenir, je peux les interchanger, etc. Là, je n'ai plus du tout ça parce que je ne peux pas interchanger. Si jamais j'ai quelque chose de dynamique, on l'a vu dans la capsule de série temporelle, quand j'ai des événements qui sont des événements temporels, je ne peux pas les interchanger. Okay. Surtout quand vous avez une tendance de fond. Voilà. Donc, on a cette petite loi géométrique qui peut être intéressante et qu'on retrouve ici. Donc, c'est exactement ce que je vais vous raconter. C'est associé à un concept assez classique dans plein de disciplines, en particulier en sciences de la Terre, en sciences du climat. C'est la notion de période de retour. C'est l'intervalle de temps qu'il faut attendre avant qu'un événement ne survienne une nouvelle fois. Okay. Et un point important, alors on en parle juste après, c'est la notion d'absence de mémoire. Et je reviendrai après sur l'interprétation en termes d'événements centenaires. L'événement centenaire, on en a parlé, c'est celui qui arrive avec une chance sur 100 tous les ans. Okay. Mais on a une loi qui est un peu particulière. Donc on peut calculer la loi. Sachant que vous avez déjà attendu H années, quelle est la probabilité d'attendre encore K années de plus. Okay. Donc vous savez que l'événement n'est toujours pas survenu au bout de 5 années. Okay. Donc vous avez un événement centenaire. Au bout de 5 années, il n'est toujours pas survenu. Quelle est la probabilité pour qu'il survienne dans 25 ans, c'est-à-dire dans 20 plus 5 ans. Okay. Donc, le cas, c'est combien d'années en plus il faut que j'attende. Mais en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que si jamais je partais de ma loi non conditionnelle au début, elle est définie par cette fonction de survie. Okay. Donc, la probabilité d'attendre au moins H années, c'est du 1 moins P puissance H. Si jamais j'avais déjà attendu H années et que je demande d'attendre K années supplémentaires en plus, on a du 1 moins P puissance K. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma loi, elle est stable. Elle est invariante par ce conditionnement en temps. Si jamais je m'intéresse à un événement centenaire, il arrive en espérance dans 100 ans. Okay. Supposons que mon événement centenaire, la dernière fois qu'il soit produit, c'était à 50 ans. Okay. Donc, on pourrait se dire, il devrait arriver plus rapidement prochainement. Et en fait, non. Si jamais il ne s'est rien passé pendant 50 ans, vous vous placez à une certaine date, en 2020, la dernière fois qu'il y a eu une énorme inondation, c'était à 50 ans, vous vous demandez quand aura lieu la prochaine inondation centenaire, elle aura encore lieu dans 100 ans. Okay. Donc c'est ce qu'on appelle une absence de mémoire, okay, qui est une propriété très importante de ce type de processus, qui est que peu importe le temps que vous avez déjà attendu, un événement centenaire, il se produira toujours dans une centaine d'années.
Okay. Donc, il y avait un exemple très connu, en tout cas en France, c'est la crue de Paris. Donc, en 1910, il y avait une crue très importante à Paris qui avait complètement inondé l'essentiel de la ville. Donc, c'était ce qui s'appelait à l'époque une crue centenaire. Donc, tout le monde s'attendait à la voir arriver. Et finalement, on est arrivé en 2010, 100 ans après l'événement, et la crue centenaire n'était toujours pas survenue. Mais en fait, si jamais effectivement on pense que ces événements se modélisent par ce genre de choses, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants d'année en année et que tous les ans on a une chance sur 100 qui s'en viennent, dans ces cas-là, peu importe qu'il n'y ait pas eu d'inondation pendant 100 ans, la durée qu'il va falloir attendre maintenant en espérance pour que cet événement survienne, c'est toujours de 100 ans. Okay? Donc c'est cette histoire d'absence de mémoire qui est une propriété très très forte et qui aura des conséquences considérables si jamais je modélise un événement par ce genre de loi. Okay? Donc si j'ai des données et je me dis c'est peut-être une loi géométrique, il faut savoir que c'est ce genre de propriété qu'on va avoir. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Donc cette loi, elle est définie sur des ensembles discrets. Okay? Il s'avère qu'il existe une version continue de cette loi dans laquelle on va s'intéresser à des vraies durées d'attente. Donc on va vraiment compter combien de temps s'est écoulé entre des observations. Donc par exemple, ici, vous avez des passages de bus. Okay? Donc vous êtes arrivé à 7h53 le matin et vous avez observé qu'un premier bus est passé. Puis à 7h57, il y a eu un autre, puis à 8h12, puis à 8h27, puis à 8h33, etc. Donc, vous observez toutes les dates de passage des bus, y compris même peut-être à la seconde près. Okay? Et on va essayer de modéliser les durées entre les passages. Okay? Donc, à partir du moment où je ne m'intéresse pas aux dates, mais je m'intéresse aux durées entre chacun des passages, toutes ces durées, elles sont positives. Okay? Donc, la durée qui est ici, c'est une variable qui est positive. D'accord ? Parce que à partir du moment où le bus est parti, j'attends le passage du prochain, je mesure avec mon chronomètre, je vais avoir une durée qui est positive en secondes, par exemple. Okay. Puis un bus arrive, j'arrête mon chronomètre et je recommence une fois qu'il est parti. Et j'attends la seconde durée. Okay. Donc on va avoir une collection de variables. Si jamais je suppose que mes durées sont indépendantes et ont toutes la même loi, donc je suppose que dans mes passages de bus, il n'y a pas d'heure de pointe, par exemple. Dans ces cas-là, une loi qui arriverait naturellement, si je suppose que mes données sont indépendantes, c'est la même loi que celle qu'on avait auparavant, c'est cette loi exponentielle. Donc, on suppose que la durée qui reste à attendre décroît de manière exponentielle. Okay? Et on a le même genre de propriété qu'auparavant, c'est-à-dire l'espérance, c'est l'inverse du paramètre lambda. D'accord? Donc, mon lambda, ça va être interprété comme étant une espèce de probabilité instantanée que ça survienne. Okay? L'espérance du temps d'attente, c'est du 1 sur lambda. Okay. Et à quel point est-ce que c'est relié à la loi géométrique? Ben en fait, si vous prenez la partie entière, okay, dans ces cas-là, vous allez avoir une loi géométrique. Okay. Donc là, j'ai mesuré le temps en secondes. Supposons que je convertisse mon temps en minutes, okay, puis que je m'intéresse à la partie entière. Donc, combien de temps est-ce que j'ai attendu? Est-ce que c'est 0 minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes? Dans ces cas-là, si jamais j'avais une loi exponentielle sous-jacente, donc si jamais mes durées entre chaque passage de bus suivent fondamentalement dans une unité de temps très petite, quelque chose de continu qui est une loi exponentielle. Si jamais je regarde la version discrète, par exemple par minute, dans ces cas-là, j'aurai une loi géométrique. Okay? Et le paramètre P, c'est tout simplement 1 moins l'exponentielle de moins lambda. Okay? Donc, j'ai cette loi qui apparaît et qui a exactement la même propriété qu'avant, qui est cette absence de mémoire. Okay? Donc, si jamais je reviens sur mon exemple de bus, supposons que les bus passent en moyenne toutes les 10 minutes. Okay? Dans ces cas-là, j'aurai une loi exponentielle de paramètre. Donc, si jamais je passe toutes les 10 minutes, ça veut dire que mon paramètre lambda, il vaut 1 sur la moyenne, 1 sur 10. Donc, j'aurai une loi qui vérifie quelque chose comme ça. Exponentielle de moins x sur 10, où x est mesuré en minutes. Okay? Donc, ça, ce serait la probabilité de survie. Qui vaut ça. Okay, donc, j'ai ma probabilité de survie qui vaut ça. Donc, en moyenne, je dois toujours attendre 10 minutes. Le point, et c'est exactement le même que tantôt, cette absence de mémoire, elle veut dire quoi? Elle veut dire si jamais j'arrive à mon arrêt de bus préféré à n'importe quel moment, okay. Donc, je vais arriver ici, à cette date-là. Voilà. Moi, j'ai l'habitude d'écouter mon émission de radio le matin jusqu'à 9h. À 9h, je sors chercher mon bus. Combien de temps est-ce que je vais attendre en moyenne? Bah, peu importe la durée qui s'est écoulée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un attend là depuis 10 minutes et vous dit « moi, ça fait 10 minutes que j'attends », si vraiment il y a un processus de ce type-là qui survient, peu importe qu'il ait attendu 10 minutes ou 2, la durée que vous allez attendre avant le passage du bus, c'est toujours une loi exponentielle de paramètre lambda. Donc, vous allez toujours attendre en moyenne 10 minutes. Okay? Donc, ça, c'est une propriété qui est importante. C'est intéressant parce que si jamais je l'ai, par exemple, sur des composants électroniques, okay, par exemple, sur une ampoule, la durée de vie d'une ampoule, on peut supposer que ça suit une loi exponentielle.
Okay. Dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une ampoule, par exemple l'ampoule là qui m'éclaire, ça veut dire que si jamais je la réutilise quelque part, on me dit que l'espérance de vie de cette ampoule, c'est 1000 heures. Ben, dans ces cas-là, peu importe combien de temps elle a déjà brillé, si jamais je la mets dans une pièce, je la mets dans la chambre des enfants, je leur dis, je pense que dans 1000 heures, votre ampoule, elle sera encore en vie. Voilà. Donc la durée de vie ne dépend pas du temps qu'elle a déjà brillé. Okay. Donc ça, c'est une propriété importante qui est sûrement très très forte. Autre exemple, les durées de vie. Okay, les durées de vie des gens. Donc on sait que la durée de vie des gens, elle ne vérifie pas cette propriété. C'est-à-dire que votre espérance de vie à la naissance, elle est peut-être de, on va dire 75 ans ou 80 ans, okay, à la naissance. Mais une fois que vous avez atteint 20 ans, l'espérance de vie, elle n'est pas de 80 ans. Généralement, elle sera un peu plus courte. Okay. Alors, elle est un peu plus courte, cela dit, c'est de manière un peu paradoxale, en particulier au Canada et au Québec, ce n'était pas le cas avant. Typiquement, l'espérance de vie à la naissance était plus courte que l'espérance de vie quand on avait 10 ans, il y a encore 50 ans, je pense, au Canada. Pourquoi? Essentiellement parce qu'il y avait une très forte... Alors, 50 ans, c'est un peu juste, je pense qu'il faut remonter à peut-être 80 ans. Mais pourquoi? Simplement parce qu'il y a une très forte mortalité infantile. Donc, ce que ça nous dit, c'est si jamais vous avez réussi à passer ce danger de la première année, ben en fait, généralement, votre espérance de vie, elle s'allonge. C'est tout simplement un biais de survie. Okay, ceux qui ont réussi à passer ce cap sont des personnes qui sont suffisamment valides et qui, finalement, vont probablement vivre plus longtemps. Okay, donc, supposons qu'un enfant sur deux meurt à la naissance et que tous ceux qui survivent vivent 40 ans, ben dans ces cas-là, c'est très simple. L'espérance de vie à la naissance, elle est de 20 ans. Il y a une chance sur deux de ne pas vivre un an et une chance sur deux de vivre 40 ans. Donc vous avez en moyenne une espérance de vie de 20 ans. Sauf que si vous avez passé la première année, ben dans ces cas-là, vous avez une chance sur deux de vivre 40 ans. Donc votre espérance de vie, en fait, s'allonge une fois que vous avez passé la première année. Okay? Donc on est sur un processus un peu particulier ici où l'espérance de vie est croissante quand on vieillit. Okay? Donc ça a des noms en théorie. C'est ce qui s'appelle la théorie de la fiabilité en statistique. Hein, c'est les choses qui s'améliorent en vieillissant. Okay, donc ça, c'est typiquement le cas de la naissance quand on avait une forte mortalité infantile. La mortalité infantile a largement chuté. Okay. Donc en fait, il s'avère que maintenant, si jamais vous avez atteint 20 ans, votre espérance de vie, elle n'a pas réduit de 20 ans, mais presque. Okay. Donc on a quelque chose qui va décroître. Il y a juste quelque chose d'un peu particulier, c'est quand vous regardez les âges très avancés, en fait, on a exactement ce genre de propriété. C'est-à-dire qu'une fois que vous atteignez, par exemple, 80 ans, dans ces cas-là, peu importe que vous ayez 80 ans, 90 ans ou 100 ans, l'espérance de vie qui vous reste, elle est à peu près la même. Okay? Donc, c'est encore une fois, c'est l'histoire de biais de sélection. Et dans ces cas-là, l'espérance de vie, elle est très, très stable et elle vérifie des propriétés de ce genre-là. Okay? Donc, ces types de propriétés peuvent paraître un petit peu exotiques, mais en fait, c'est important, et en particulier, c'est important dans les modèles. Par exemple, la première propriété dont je vous parle, le fait que ça s'améliore ou éventuellement que ça se détériore. Okay? Donc, si je vais, plus j'attends, plus je vais attendre. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas envie d'avoir si jamais je téléphone à Revenu Canada. Okay? Si jamais j'appelle Revenu Canada et qu'il me dit « votre temps d'attente est de 20 minutes », dans ces cas, j'ai peut-être intérêt à rappeler. Parce que si jamais je commence à attendre en me disant « bon, ça fait 20 minutes que j'attends, je n'ai toujours pas de personne qui m'a répondu », dans ces cas-là, je peux avoir intérêt à rappeler parce que dans ces cas-là, ça pourrait aller plus vite. Okay? Donc, si jamais vous avez des lois qui vous donnent un raccourcissement, enfin, plus vous attendez, plus vous allez attendre, ça ne sert surtout à rien de rester en ligne. Okay, mieux vaut rappeler pour se retrouver avec un meilleur. D'accord? Donc, ça dépend vraiment du design des outlines ou ce genre de choses. Oublions un instant nos deux lois. Je vais vous parler d'une autre loi qui est la loi de Poisson. Puis je vous ferai la connexion entre les deux. La loi de Poisson, c'est une loi un petit peu particulière, donc, qui est née de ce monsieur Poisson. Donc, c'est pour ça qu'on met une majuscule. Donc, Siméon Poisson avait proposé une loi, okay, cette loi discrète. Okay. Donc, c'est des lois de comptage. Donc, je compte combien de choses ont été observées. Je compte combien de caries vous avez dans vos dents. Okay. Je compte combien de personnes ont eu plus que B à mon examen. Okay. Donc, je compte des catégories. Alors, dans les deux cas, c'est un peu particulier parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment des lois de Poisson, ce serait plutôt des lois binomiales parce que le nombre est limité. Le nombre de caries que vous avez dans votre bouche, on peut avoir peut-être deux caries sur une dent. Mais j'aurais envie de dire qu'il est limité par le nombre de dents. Okay. Donc, si vous comptez le nombre de dents cariées, c'est plutôt une loi binomiale parce que c'est la probabilité qu'une dent soit cariée et on a le nombre de dents dans la bouche. Okay? Mais on pourrait imaginer que je compte, par exemple, le nombre de caries. Et donc, on pourrait avoir cette loi qui apparaît, qui est cette loi un peu particulière, qui est cette exponentielle de moins lambda, lambda puissance k sur k factoriel. Okay? Donc, je vous rappelle, les factoriels, c'est juste k fois k moins 1 fois k moins 2 fois k moins 3.
c'est pas très important parce qu'en fait, ce paramètre-là, il sert juste à m'assurer que cette mesure soit bien une mesure de probabilité dans le sens où si jamais je somme toutes mes probabilités, j'ai bien 1. Okay, donc ça, c'est une définition de la probabilité. Une probabilité, c'est quelque chose de normé. Si jamais je prends trois événements possibles, il faut que la somme de mes trois soit égale à 1. Okay, donc c'est pareil ici. Il faut que la somme de mes probas fasse 1. Pour que ça marche, il faut diviser par factoriel 4. Donc cette loi est un peu particulière. C'est une loi en moyenne qui vaut lambda. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle une loi de Poisson. Donc la loi de Poisson, elle a plein de propriétés. Elle est stable par addition, par exemple. Donc si jamais je compte le nombre de caries dans une bouche et que j'ai, par exemple pour les garçons et les filles, supposons que les garçons et les filles n'aient pas les mêmes nombres de paramètres pour les lois de Poisson, et que je suppose que le nombre de caries dans une bouche, c'est une loi de Poisson. Okay, les garçons, c'est lambda 1, les filles, c'est lambda 2. Donc la loi pour si jamais j'ai un garçon et une fille, par exemple le nombre total de caries que je dois avoir chez mes deux enfants, ça suivra une loi de Poisson de paramètres lambda 1 plus lambda 2. Okay, donc on a cette stabilité. Petite propriété, si jamais je regarde la probabilité d'en avoir 0. Probabilité d'avoir 0 carie, on voit apparaître cette exponentielle moins lambda. Alors, on en avait parlé un tout petit peu tantôt quand je vous ai parlé du passage de la loi exponentielle à la loi géométrique, où j'avais dit ben, la probabilité, c'est 1 moins exponentielle moins lambda. Okay. Donc, en fait, on retrouve ce exponentielle moins lambda qui apparaît. Et on s'aperçoit donc que si jamais j'ai un lambda qui vaut 1, donc j'essaierai d'expliquer pourquoi des fois on a un lambda qui vaut 1, dans ces cas-là, il y a à peu près 36% de chances de rien observer. Okay, 63% de chances d'observer quelque chose. Okay. Donc, ça veut dire que si jamais le nombre de caries dans la bouche d'un enfant, c'est une loi de Poisson de paramètre 1, si en moyenne un enfant a une carie, okay, ben dans ces cas-là, la probabilité pour qu'un enfant pris au hasard n'ait aucune carie dans sa bouche, c'est à peu près un tiers. Okay, c'est le genre de grandeur qu'il faut avoir en tête sur cette loi de Poisson. En fait, cette loi, je vais la voir apparaître quand je vais m'intéresser, par exemple, à des lois de Bernoulli. Donc, si jamais je prends des lois de Bernoulli, donc des choses qui vont survenir avec une certaine probabilité à chaque tirage, okay, ce qui est un petit peu l'histoire de la loi géométrique, en fait. D'accord, donc, je me demande combien de fois est-ce que j'observe N années données. Donc, j'observe une rivière pendant 200 ans et j'observe que 3 fois, elle a été inondée. Dans ces cas-là, je vais dire qu'il y a 3 chances sur 200 pour qu'elle soit inondée. Et le nombre d'inondations que je devrais avoir, c'est une loi binomiale de paramètre N qui vaut 200 et P qui vaut 3 sur 200. Okay. Ce qu'on peut montrer, c'est que quand ce produit N fois P est petit, okay, bah dans ces cas-là, on a à peu près une loi de Poisson. Okay. Donc, le nombre d'inondations que vous devriez vous attendre à avoir, bah, ça devrait suivre à peu près une loi de Poisson de paramètre 3 sur lambda. Okay. Pardon, 3. Le nombre d'inondation qu'on aurait dû observer sur 200, c'est à peu près une loi de Poisson de paramètre 3. Okay. C'est n fois p. Okay. P étant 3 sur 200, n étant 200, donc ça fait 200 fois 200, 3 sur 200, ce qui fait 3. Et ma petite précision, c'est que si jamais je regarde la probabilité qu'on observe strictement rien, dans ces cas-là, on doit à peu près avoir cette exponentielle moins lambda. Okay. Donc c'est vraiment ce passage d'une approximation de quelque chose qui suivait une loi binomiale à une loi de Poisson. Et en fait, c'est des choses qu'on observe très clairement quand vous ouvrez des ouvrages. Donc ça venait d'un ouvrage d'hydrologie où on se demandait. Donc ici, je vais avoir des événements qui surviennent en moyenne tous les 10 ans. Donc je reviens à mon histoire de loi géométrique. Okay. Mon histoire de loi géométrique, elle me disait, ben, je regarde un événement qui survient avec une chance sur 10, une chance sur 20, une chance sur 50, une chance sur 200, une chance sur 200. Okay. Puis je regarde la probabilité pour qu'on n'observe jamais rien pendant 100 ans. Donc je vous ai dit à Paris, il y a eu une crue en 1910, on n'en a pas observé pendant 100 ans. C'était quoi la probabilité de ne pas observer de crue pendant 100 ans pour un événement centenaire? Bon, on l'observe sur la diagonale. Donc en fait, quand vous avez un événement centenaire, la probabilité pour qu'il ne survienne jamais pendant 100 ans, bah, c'est à peu près 63% qui, comme par hasard, était la valeur que je vous indiquais ici. Okay. Donc on a quelque chose d'assez intéressant, c'est la magie de ce 63%. Donc j'avais dit à peu près un tiers pour un tiers, deux tiers, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tiers. Donc il y a à peu près deux chances sur trois pour qu'un événement centenaire ne survienne jamais pendant 100 ans. Okay. Donc c'est pas non plus quelque chose de complètement exceptionnel. Okay. Il y a quand même pas mal de cas pour lesquels effectivement un événement centenaire ne va pas survenir pendant 100 ans. Okay. La chose c'est que quand il survient, il peut aussi en survenir deux ou trois fois. D'accord. Donc il faut juste faire un petit peu attention. La probabilité qu'il survienne deux fois, elle n'est pas nulle. D'accord. Mais c'est aussi possible qu'on n'observe rien. Okay. Donc c'est un peu ce que ça raconte. D'accord. Donc se cache derrière cette histoire de loi de Poisson. Alors, je vais juste revenir sur l'histoire de la loi de Poisson parce qu'en fait, elle apparaît très naturellement en lien avec cette histoire de loi géométrique. Okay.
Donc, par exemple, ici, je m'amuse à lancer 100 cailloux sur un échiquier avec 100 cases. D'accord ? Donc, j'ai 10 x 10. Okay. Je lance mes 100 cailloux et je regarde combien de enfin, quelle est la répartition du nombre de cailloux par cellule de mon échiquier. D'accord ? Donc, il y a des endroits où il n'y a rien. Donc, cette pièce ici ne contient aucune pièce. Ici, j'en ai deux. Okay. Vous avez à gauche les différentes fréquences qui apparaissent. Donc, le nombre de cellules dans lesquelles j'obtiens une pièce, c'est de 36. Ou j'en obtiens aucune, pardon, les 36. Donc, il y a 36 pièces, 36 cases dans mon échiquier où j'observe aucune pièce. Okay. Il y en a 39 où j'en observe une, 16 où j'en observe deux, 7 où j'en observe 3, 2 où j'en observe 4 et 0 où j'en observe plus que 5. Okay. Donc, ça doit être normalement le graphique de droite. Si vous comptez, vous devriez avoir ça. Ben, si jamais je regarde la poisson de paramètre 1, alors pourquoi 1 ? Parce qu'en fait, j'ai des lois binomiales. Donc ici, n est égal à 100. J'ai lancé 100 pièces. La probabilité qu'une pièce tombe dans un échiquier, elle est de 1 sur 100. Okay, je suppose que je lance uniformément. Donc une pièce, elle a une chance sur 100 d'arriver dans la cellule en haut à gauche, par exemple. Okay, donc j'ai mon p qui vaut 1 sur 100. Et ce qu'on a vu, c'est que quand vous avez une loi de Bernoulli de paramètre np, okay, donc si jamais je regarde formellement dans ma première cellule, j'ai fait n lancés, il y a une chance sur 100 pour qu'une pièce arrive dedans. Le nombre de pièces que j'ai dedans, c'est une loi binomiale. Okay. Ce qu'on avait dit, c'est que cette chose-là, c'est à peu près une loi de Bernoulli, une loi de Poisson, pardon, de paramètre n fois p. Donc une loi de Poisson de paramètre 100 fois 1 sur 100, c'est-à-dire 1. Okay. Donc si jamais je prends une loi de Poisson de paramètre 100, j'ai très exactement ces probabilités. 36% pour la probabilité de valeur 0, 36% de valeur 1, 18%, 6%, etc. Okay. Donc, c'est très exactement ce que me donne cette distribution de probabilité. On voit qu'on est très, très proche. Okay, j'en ai 36, j'aurais dû en avoir 36,7. On est quand même super fort. 39 pour 36, on n'est pas très loin. 16 pour 18, on n'est pas très loin. Okay. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a cette répartition entre 36% de chances de rien avoir et 64% de chances d'en observer au moins une. Okay. Donc, on a cette loi de Poisson qui est une loi qui apparaît naturellement, en fait. Donc chacune des cellules pourrait correspondre à une année. Okay. Ici je suis en 1910, ici je suis en 1901. Je regarde des événements qui surviennent avec une chance sur 100 et je me demande quelle est la distribution du nombre de catastrophes que je devrais m'attendre à avoir sur une centaine d'années. Okay. Si jamais je m'intéresse, j'ai pas une centaine de régions. Okay. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut avoir en tête. La loi de Poisson, elle apparaît très naturellement quand vous lancez des 100 pièces sur un échiquier de 100. Le nombre de pièces qui apparaît dans chacune des cellules, c'est techniquement une loi binomiale. Mais comme j'ai peu de chances d'avoir une pièce, j'ai une chance sur 100, je peux approcher ça par une loi de Poisson. Et cette loi, donc pourquoi on l'applique beaucoup aux catastrophes, c'était cet article de Bortkevich en 1898, qui est le premier à avoir utilisé ça pour des accidents, en fait. Il avait travaillé sur des ruades de chevaux dans la cavalerie de l'armée de Napoléon. Okay. Ah pardon, en fait, je suis persuadé que c'est Napoléon, mais en fait, ce n'est pas du tout l'armée napoléonienne. Donc, désolé pour mon image, en fait, c'est l'armée prusse. Donc, on a cette armée, on a des corps d'armée qui ont été observés. Donc, on a 200 corps d'armée qui ont été observés et on compte le nombre de personnes qui ont été blessées dans chacun des corps de cavaliers. Okay. Donc, dans la majorité des cas, pas la majorité. Il y a beaucoup de corps d'armée dans lesquels il y a, c'est la majorité, 109 personnes qui ont été, 109 corps pour lesquels j'ai aucune personne qui a été blessée, 65 corps d'armée dans lesquels j'ai une personne, alors c'est pas décédé, c'est mort, j'ai 65 corps d'armée dans lesquels il y a eu un mort par ruade de cheval, 22 pour lesquels il y en a eu 2, 3 pour lesquels il y en a eu 3, etc. Et ce qu'avait noté Bortkevich, c'est qu'en fait, cette distribution-là, la fréquence qu'il observait, est très très proche de ce que lui aurait donné le poisson. Est incroyablement proche. Okay, donc c'est pour ça qu'il s'est dit que la poisson elle doit marcher. Okay, donc c'est dans ces ruades de cheval, donc de décès dans des ruades de cheval dans des corps d'armée, donc non pas de l'armée napoléonienne mais de l'armée prusse à la fin du 19e. Okay. Donc la loi de poisson semble bien marcher. Alors je m'arrêterai là pour montrer des exemples de loi de poisson, mais sachez que c'est depuis la loi qui est utilisée énormément par les assureurs pour compter le nombre d'accidents qu'on a dans une police tous les ans. Okay. Donc, le nombre d'accidents que vous avez sur une police d'assurance en assurance auto, on va supposer que c'est une loi de poisson. Donc, vous avez peu de chances d'avoir un accident dans l'année, peut-être une chance sur 10, okay, mais c'est possible d'en avoir 2, d'en avoir 3, d'en avoir 4. En tout cas, statistiquement, pour un assureur qui a beaucoup, beaucoup d'assurés, c'est possible d'avoir observé beaucoup d'accidents.
Okay, moi, à l'époque où je faisais cours de modélisation des données d'assurance, je me souviens qu'on avait une base de données avec près de 100 000 contrats et on avait une personne qui avait eu 24 accidents dans l'année. Okay. Donc, c'est vraiment la queue de distribution, c'est rare, mais encore une fois, c'est possible d'avoir des gens qui ont beaucoup d'accidents. Okay. Donc, souvenez-vous de cette loi de Poisson qui est très utile quand vous comptez des choses, en fait. Des décès par ruade de cheval, mais aussi juste des petites pierres dans les lancers. Et en fait, le point intéressant, et c'est pour ça que j'ai mis cette capsule, enfin, c'est cette petite discussion sur le poisson dans cette capsule, c'est qu'en fait, elle va apparaître dès qu'on a des durées exponentielles. C'est que si je me demande combien de bus passent en une heure, et que je suppose que mes passages de bus suivent des lois exponentielles de paramètres 10 minutes, okay, donc de paramètres 1 sur 10, okay, donc dans ces cas-là, en moyenne, je dois m'attendre à avoir 6 bus qui passent par heure. Okay. Si un bus passe en moyenne toutes les 10 minutes, en une heure, je dois m'attendre à avoir 6 bus. Mais en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que le nombre de bus que je dois m'attendre à avoir pendant une heure, ça suit très exactement une loi de Poisson de moyenne 10. Okay. Donc, ce sera peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais si vous avez des durées d'attente qui sont des lois exponentielles, le nombre d'événements qui surviennent pendant une certaine période, ça suit forcément une loi de Poisson. Donc, ces histoires d'arrivées successives d'événements, c'est quelque chose qui est fondamental dans ce qui s'appelle la théorie des files d'attente. C'est comme ça qu'on modélise énormément d'événements. Donc, par exemple, vous pouvez vous demander comment est-ce que je... Donc, vous avez des gens qui rentrent dans un bureau de poste. Si jamais vous avez une grosse poste, est-ce qu'il vaut mieux faire plusieurs guichets avec une seule queue ou est-ce qu'il vaut mieux faire plusieurs queues avec chacun des guichets? Okay. Donc, il y a pas mal de modèles qui ont été développés autour de ça. Pareil, quand vous allez faire votre épicerie le samedi, est-ce qu'il vaut mieux laisser les gens choisir ou au contraire les mettre dans une file unique et à la fin les dispatcher en fonction de la liberté des différents caissiers. Okay. Donc, c'est ce genre de processus qui arrive. Donc, ce qu'on suppose, c'est que les gens arrivent avec des durées exponentielles. Et les caissiers les libèrent avec d'autres durées exponentielles. Et ça nous fait la théorie des files d'attente. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent en sens de données autour de ça, autour de ces lois exponentielles et de ces comptages. Donc, par exemple, si jamais vous avez des arrivées de clients avec des lois exponentielles, le nombre de clients traités par une personne à un guichet va être une loi de Poisson. Okay, donc, on a pas mal d'informations sur ce type de modèle. Et autre chose, si jamais je m'intéresse à ces survenances d'événements, il y a quelque chose qui est relativement connu. Donc j'en parle parce que pour moi, ça rentre dans la science de données où on va essayer, par exemple, de mesurer des records. Okay. Donc ça existe sur les records sportifs, par exemple. Quand est-ce qu'il va falloir attendre avant d'avoir un nouveau record au 100 mètres ou ce genre de choses. Ce qu'on peut montrer, c'est que quand j'observe des processus qui sont ce qu'on va appeler stationnaires, donc indépendants, identiquement distribués au cours du temps. D'accord. Donc, c'est ce que j'observe ici. Par exemple, supposons que je sois une série de températures. Donc, j'ai des séries de températures que j'observe. Alors, encore une fois, on oublie l'histoire du changement climatique parce que c'est justement comme ça qu'on peut montrer qu'il y a, par exemple, un réchauffement climatique. Si jamais j'en ai pas, donc si jamais ma série de température, elle oscille comme ça autour d'une valeur constante, okay, donc éventuellement, ça peut être une série de températures à laquelle j'ai enlevé son cycle. Okay, on sait que les températures sont cycliques avec les saisons. J'ai enlevé le cycle et je récupère cette série de températures qui oscille autour de son cycle. Okay. La question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on a des records? Okay, donc, les records, ça veut dire que depuis le début que j'observe, je n'ai jamais obtenu de valeur aussi grande. Donc, c'est les dates qu'on observe ici. Donc, ici, par exemple, j'ai eu mon dernier record. Donc, j'ai eu une donnée qui a été observée ici. Puis, juste avant, j'avais une donnée qui avait été observée là. Okay. Ben, ce qu'on peut montrer, c'est que les durées d'attente, mais aussi la durée totale d'arrivée, en fait, elle suit une loi exponentielle. Pardon, le logarithme, il faut regarder le logarithme des dates pour voir arriver quelque chose de constant. Okay. Donc, la formule précise, c'est que le logarithme des durées auxquelles vous avez des records, quand vous le normalisez, vous avez quelque chose qui est gaussien, c'est-à-dire que ça oscille pas beaucoup. D'accord. Donc, c'est pour ça que je parlais d'exponentiel, c'est que la durée d'attente va falloir attendre un temps exponentiellement plus long à chaque fois. Okay. Donc, peut-être que vous allez attendre une durée de 2 ans la première fois, puis 4 ans avant le prochain record, puis 8 ans. Puis 16 ans, puis 32 ans. D'accord. Donc, c'est vraiment cette croissance exponentielle de la durée d'attente avant le prochain record. Okay. Et c'est ce qu'on observe. Alors, je l'avais fait en durée de temps. Donc, ici, sur le graphe du dessus, j'avais mon temps. Ici, j'ai le temps, mais en échelle log. Okay. Ben, ce qu'on voit, c'est que le processus d'arrivée des records, il est quasiment linéaire. Donc, il faut passer à un temps en échelle log pour voir quand est-ce qu'on a des records. Donc, pour revenir à mon histoire de température, si jamais, effectivement, mes températures, mes records était battu et que j'avais quelque chose de stationnaire, je devrais attendre un temps exponentiellement long avant de battre des records. Si vous regardez ce qui se passe depuis 20 ans, tous les ans, on bat des records de température.
Donc, ce n'est pas possible d'avoir ça avec quelque chose de stationnaire. Donc, ça veut dire qu'on a forcément, probablement une tendance à la hausse. Okay. Donc, soit une tendance à la hausse, soit de plus en plus de variabilité. Okay. Pour le moment, c'est pas encore. Enfin, avec mon approche, je ne peux pas vous dire pourquoi est-ce qu'on a, on a quel type de changement de climat on a. Est-ce que c'est un changement en tendance ou un changement en variance? Okay. En regardant les données, on pourrait l'avoir. Mais en tout cas, ce n'est pas possible d'avoir de plus en plus de records tous les ans ou sur des durées, disons, relativement courtes si jamais j'avais un processus qui était stationnaire. Donc, le processus de température n'est pas stationnaire. Okay. Donc, voilà. Donc, c'est ces lois qui apparaissent un petit peu partout. Donc, encore une fois, je vous ai fait une collection de capsules ici pour parler des lois classiques qu'on a quand on modélise les différents types d'événements. Donc, on a ces lois exponentielles géométriques Poisson qui vont apparaître très naturellement quand vous travaillez sur des durées et que vous comptez combien d'événements surviennent pendant une durée ou que vous mesurez des durées d'attente entre événements. Okay. Je vais m'arrêter là. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé, mais je pense que c'est une capsule qui est intéressante et qui mérite d'être regardée. Voilà. À bientôt pour une autre.